Tout est neuf, tout est beau, au moins chez toi, parce que ça, bah, on va tout droit et après ce sera à gauche là, au petit panonceau. Ah, c'est ça que tu voulais, un plan séquence fixe avec des gens qui arrivent? Alors comme ça, on va au berger? Avec des sacs en plastique sur le dos. C'est rigolo ça. Ah, c'est un truc de beauf, le réchauffement climatique, c'est ça que t'as dit? Ah, de gauche. C'est l'horrifique. Alors, tu vas me faire une petite intro maintenant? Plus vite que ça? Oh oh oh, je suis pas ta salope. Putain. Il détruit tout! Je vais pas en avoir un de faisable, putain de rush de merde. Coucou les petits loulous. Alors, aujourd'hui, regardez où on est. Juste devant le gouffre berger. Ça va être sublissime. Aujourd'hui, petite sortie avec deux beaux petits personnages. Qui c'est qu'on a ici? On a le petit Tarzan, alias petit Valentin. Personnage. Le beau Valentin et avec le beau Kevin. En pirate aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera notre balou à nous. C'est pas Kevin, c'est Balou. Du coup, descente prévue au berger. Il est 8h19, on a 19 minutes de retard à cause de Kevin. Il va falloir rattraper le retard, Kevin. Donc là, on va aller. Première auberger. Alors, on va essayer de kiffer un max. Et puis voilà, vous allez voir tout ça avec nous. Je remercie mon ami et collègue spéléologue Quentin qui me prête 12 000 lumens pour éclairer les galeries comme personne n'a jamais éclairé les galeries. Ça va envoyer du lourd. Tout est beau chez toi. Tout est beau. Tu vas être le deuxième guest sur la chaîne. Moi je vais être Balou, je t'en prie. Putain, mais t'es trop bien avec ton petit bandana, j'avais pas vu. Je suis sorti sur ma toute. Le gouffre berger. Ça donne quoi? C'est tout. On est pas trop en bas. Et bah c'est parti, le loup. A touti toutou. Ah, mais tout le monde te voit, hein. Tout le monde te regarde, moi je vais me casser la gueule. C'est dessus, j'y passe au vent. C'est tout libre. C'est la bonne. Moi j'ai pris la pourquoi. Il y en a qui sont frac, je sais pas si c'est celle-là. Mais je crois que c'est pas une histoire de déjà grand, c'est que c'est grand tout le temps partout, hein. Ah mais c'est le. C'est le puits du Cairn qu'on vient de descendre là. Ah, joli. Ça c'est du méandre que j'aime beaucoup. Méandre vraiment très très oppressant. Voilà, je vais encore niquer ma combi. Ouais, c'est des beaux volumes hein. Dis bonjour à la caméra Kevin. Bonjour la caméra. Fais une pitrerie Kevin. Fais une pitrerie, montre-toi. C'est bien. Kevin Sauvage. On a fini les pluies normalement. Moi je finis mon descendeur à cette sortie et après j'en change. La rivière sans étoiles. Donc c'est ici qu'il faut pas louper ça. Ouais, mais ça voilà. Va en vrai. En même temps avec tout ce qu'il y a dessus. Il faut pas allonger main droite là-bas au fond. Quoi. Tu veux rire? On va rire. Ouais, à partir de là, je crois que c'est rando quand même. Regarde. Voilà. Là, on va voir où on va. Ça va, ça va la pêche. Franchement, on est bien là. On est bien. Nous revoilà. Ah. On ne voit pas, on me voit. Non, la lumière, lumière, lumière. Je sais pas ce que je fais. Petit boîtier. Clairement, un cas contact. C'est petit et c'est laid. C'est pas à chier. Et il est là. Attrapez-le! Toi! C'est quoi? Mais c'est ça avec eux. Ils ont 100 mètres de largeur. T'as vu les dimensions de ce truc? Bon, là, c'est pas très bien. Ah oui, c'est joli.
C'est une randonnée. Là-bas, il y a une belle porte en plus. Ouais, ça bouge. Ne regarde pas, sinon tu vas perdre la vue, Mathis. Regarde là-bas. Attention, attention, juste là, là. Ça prend de l'ampleur. Ça prend, fais attention. Mais viens. Tout au bene, comme ils disent les jeunes. Ça, faudra voir après, mais... L'homme, oh. Quel homme, regarde-moi ce ninja. Oh là là, mais le mec descend. Tu mets deux fois plus de temps à remonter qu'à descendre, il disait. Je te file! Comme ça qu'on passe les bèves. Ah ouais, vers la cascade, vers la cascade! Ah ouais! GoPro nous a lâché, mais on est arrivé au bout. Voilà, 1100. Bon du berger. 1100 pratiquement et 1075. Un petit peu plus bas. C'est la plus haut. 80, ouais. Tous les mètres comptent. Pas et mal. Et le fond du fond est là-bas, mais... Mais on va rentrer jusqu'aux couilles, donc on n'ira pas. Il y a Mathis qui est en train de remonter. Il est au premier frac. Il y a le petit Kevin là qui va suivre. Et il y a une ambiance... Brumeuse. Brumeuse, ouais. Il nous reste un petit 1000 mètres de dénivelé. On est arrivé au fond en 4h10, 4h15 et on va voir combien de temps on met à remonter. Sûrement dans les 7-8 heures, faudra voir. C'est complètement dingo. Ça n'a aucun sens. De remonter depuis l'ouragan. Il y a Kevin et Mathis qui suivent tout là-bas. Et en dessous, c'est le délire. C'est trop beau. Je vais ranger le tel avant de le perdre. Voilà la cascade de 27 mètres. Il y a Mathis qui est là-haut, là. Kevin qui est par ici. Et on remonte tranquillou. Vous n'avez rien vu. Le fond, toutes les grandes cascades, tous les endroits super, tout loupé. Rien. Et là maintenant on mange des sandwichs. On mange et des sandwichs. Ça c'est la meilleure partie de toute la grotte. Et vous allez voir les grandes galeries. Ouais. Mais vous les avez déjà vues. Tout ce qui est nul quoi. Bah, parce que avant ça du coup, en piètre qualité, vous allez voir. Un grand éboulis. Un peu boueux, non vous le verrez pas. Vous allez voir un beau puits en très mauvaise qualité, un autre beau puits en très mauvaise qualité, des mains courantes en très mauvaise qualité, un magnifique grand beau puits de 40 mètres
sublissime, avec une arrivée comme ça à droite avec une photo de très mauvaise qualité, le fond avec une petite vidéo de nous de très mauvaise qualité, et après ça vous allez reprendre dans les grandes galeries que vous avez déjà vues en très bonne qualité. On est sorti presque. On est à quoi t'as dit? -800? On est à -800, on est quasiment dehors. On est? Ouais. Après il est 14h48 sur la montre. Et ouais, il nous reste en gros les parties aquatiques avec des mains courantes un peu chiantes. Et après on marche, 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 on marche. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et on est dehors. Donc on est 13h. Petit mousquif à gauche. Pas sur le. C'est pas celle-là, la grosse longue. Non. Mais sinon. Problème de caméra. On s'est fait doubler par la fusée. J'attends Kevin et Mathis en haut des derniers rappels guidés. On doit être à moins 700, un truc comme ça, 600, bientôt 690. Et puis bon, après, ça va bien avancer. Là, on est bien. C'est trop cool. Il est bientôt 16h. Ça va le faire. Ça va le faire, trop bien. On oublie, mais. On est là. On est là. Oh là. On est dehors là. Oh, je suis coincé. De nouveau dans la salle des fraises. Ça remonte tout doux. Baptiste, Kevin derrière qui avance. Un plafond pas possible. Dehors apparemment il pleut quelques gouttes, mais ça va le faire, on est sorti d'affaire. On est à moins 500 et des patates. Et bien, ouais, on est bien là. On est pas mal hein. Franchement, 16h44. Putain, je voulais sortir pour le goûter, voilà. C'est beau hein. Avec des petits gours là, ce serait les gours remplis. Voilà. Un Matisse. Et une colonne. 50 là-dedans. Tu veux faire un somme? T'as 30 secondes. Je fais une semaine de camping là-dedans, tu ramènes le. Pour ramener le camping gaz. Non, ouais, tu fais une trajet là. Et on remonte. Du puits. On remonte du puits. Le calme. Retour la chance. Oh. Excellent. Et quelle heure avec ça? 19h19. On a mis 10h40. Il est actuellement 19h20. Et le Valou sort du gouffre berger. C'est fini. 10h40 pour aller à moins 1075 les loulous. Peut-être moins 1078, 80. Magnifique. Et voilà, dehors. Après 10h40 de spéléo, le gibbon plie sa tenue. Tacos habituel. Voilà. Et le petit Kevin là-bas qui est super content. Fait plaisir.